Alors, hier, je suis venu pour partager un peu le témoignage du Seigneur sur ce qui s'est passé à Yaoundé et partager aussi la parole avec vous. Je suis arrivé, je me suis garé et j'ai eu fortement à cœur une pensée hein, de rentrer. Voilà, et j'étais garé déjà à côté et je suis sorti, et je suis reparti aussitôt. Donc j'appelle Blaise pour lui dire, écoute, hein, si vous pouvez gérer, moi je rentre. Et ensuite, aujourd'hui, on m'apprend que ben, cette jeune femme que vous voyez devant vous a confessé des choses. Donc j'ai compris pourquoi. Le Seigneur, sachant qu'elle allait confesser des choses et a voulu que je sois loin. Et voilà, donc il faut vraiment se laisser guider par le Seigneur. Père, à toi seul, la gloire, la louange, l'honneur, la majesté, les actions de grâce au siècle de siècles. Nous te confions ce programme, cette soirée, nous te confions ce moment. Sois le maître de ce lieu en toutes choses. Yeshua, notre maître, nous te prions, Dieu d'Israël. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Voilà, on va te passer le micro. Donc déjà, merci pour ton courage. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Cynthia. Cynthia, tu as quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans. Tu viens d'où? Je viens. Je suis née au Cameroun. Je D'accord. suis en France et je viens de Caen. De Caen? Je suis ma cousine. D'accord, tu vis chez ta cousine, d'accord. Oui. Alors qu'est-ce que tu veux confesser ce soir? La sorcellerie. Je suis dans la sorcellerie. Tu es dans la sorcellerie. Oui. Qui t'a initié à la sorcellerie? Mon père et ma mère. Tu avais quel âge? J'avais 3 ans. 3 ans. Ils t'ont donné quoi pour t'initier? En fait, j'étais assez. À 3 ans, j'avais mon père qui m'appelait dans la chambre. D'accord. En fait, il m'initiait. En fait, il me faisait asseoir sur ses genoux. En fait, je comprenais pas pourquoi. En fait, à 3 ans, je peux Il pas te faisait comprendre. mettre à genoux? Pardon? Il me faisait asseoir sur ses genoux. Ah, il te faisait Tout asseoir le sur ses temps, genoux. il m'appelait, il me fermait la chambre, il me faisait asseoir sur mes genoux, mais je savais pas que c'était pour m'initier par rapport à la sorcellerie. D'accord. Donc c'est comme ça que tu es la sorcellerie. Oui. Et quand est-ce que tu as commencé à sortir de ton corps pour aller dans l'autre monde? En fait, ça a commencé quand je suis arrivée ici. Quand tu es arrivé ici, Oui. tu avais quel âge? Je suis arrivée ici, j'avais 13 ans. D'accord. J'avais 13 ans et puis j'ai commencé à sortir de mon corps la nuit, justement. Tu allais où? Bah, j'allais dans les maisons Des gens? des gens Pour faire quoi? pour manger. Pour manger? Oui. Manger les gens? Avec les autres. Avec les autres Les autres sorciers? sorciers de ma famille. D'accord. Et t'en as mangé beaucoup comme ça, les gens? Oui, j'en ai participé. J'en ai participé. Je ne tuais pas, mais je participais en fait à tout ça. Et comment vous arrivez à les assassiner, à les tuer mystiquement? En fait, soit c'est pas crise cardiaque, D'accord. soit c'est pas les maladies. Par exemple, le cancer. Pas le cancer, justement, parce qu'on sait que c'est le cancer qui tue le plus par rapport au VIH. Donc, on utilise ça justement. On lance la maladie pour que ça fasse effet en fait. Wow. Ouais. Et les gens, quand ils mouraient, le micro près de la bouche, donc les gens, quand ils mouraient, quand vous arriviez à les tuer par la sorcellerie, en leur envoyant des maladies telles que le cancer, et qu'est-ce que vous faisiez de. Vous faites quoi de leurs esprits, là, quand ils meurent comme ça, les gens? Bah, nous en fait, quand on tuait des gens, en fait, on les mangeait. On se partageait en fait les morceaux, en fait, on mangeait. D'accord. Et vous le mangez comme ça? Oui, on le Vous mangeait. le faisiez cuire mystiquement, c'était comment? Non, on ne faisait pas cuire, non. On Vous le mangeait mangez tout tout seul. cru? Oui, on mangeait tout Waouh. cru. On mangeait tout cru. Et puis, j'étais pas la seule parce que j'ai ma mère, j'ai mes tantes aussi qui sont là-dedans aussi. D'accord. Ta mère est en vie? Oui, elle est en vie. Elle est au Cameroun? Non, elle est ici en France. Ok. Et mon père, par contre, il est en Afrique. D'accord. Et quelle était ta mission ici dans l'œuvre, justement? En fait, ma mission, il m'avait donné la mission en fait de séduire en fait. De séduire les hommes. Oui. D'accord. De séduire notamment les frères qui sont ici, notamment vous aussi justement. Me Parce que séduire ça, aussi. oui, c'est à travers vos. Parce que je savais que vous crachiez Le trop. micro. Je savais que vous crachiez trop la vérité en fait. Ils avaient prévu que en fait je vous séduis par les habillements. Par ta manière de t'habiller, sexy, Ouais. tout ça. Par le maquillage aussi. Parce D'accord. que. Pourquoi la vérité dérange? Oui, c'est vrai que je suis les sorciers n'aiment pas la vérité. Ça dérange. Ok. Dans le monde des ténèbres, ça dérange. Mais qui t'a confié cette mission pour me faire tomber? En fait, c'est la famille chez qui j'étais, en fait. On est ensemble. La famille? Je ne sais pas si vous connaissez Marie-Paul. Marie-Paul, J'étais venue avec elle une fois. si je la vois certainement, ouais. Et vrai, oui. Elle est dedans? Elle est dedans avec tous ses enfants. On Donc était c'est tous elle là, en qui t'a fait. mandaté comme ça, qui t'a confié cette mission? Il y a elle, il y a ma mère, il y a les autres derrière Mais aussi. ta mère, elle ne me connaît pas, ta mère. Mais spirituellement, On me connaît. ouais. Ah bon? On dérange tant Ah, que ça? si. Ah bon? Waouh.
C'est vrai que tout le monde me connaît. Et là, je suis venue chez ma cousine et puis j'ai continué toujours. En fait. D'accord. Et j'avais. Oui, je confessais la masturbation parce que je pratiquais. D'accord. Donc, du coup, ça touchait ma cousine justement parce que nous, on était là en fait pour. Moi, j'étais là, mon but c'était pour l'épuiser en fait. Pour la faire tomber, pour qu'elle retourne dans le monde. Wow. Parce qu'ils m'ont envoyé cette mission en fait de le faire retourner. D'accord. Donc, en fait, spirituellement, j'étais. Je pouvais me transformer en serpent spirituellement. D'accord. Mais c'est comment pour tuer. Et quand est-ce qu'on t'a confié la mission pour me faire tomber? C'était quand j'écoutais TV de vie. D'accord, pour la première fois? Oui, pour la première fois. Okay. C'était la famille chez qui j'étais qui m'avait montré. D'accord. Donc j'écoutais. Et tu as fait quoi alors? T'es venu en esprit? T'es quoi? T'as fait quoi? Bah là, je ne pouvais pas parce que. Pourquoi? Avec la présence de Dieu, c'est compliqué pour les sorciers d'approcher. Ah ouais? La présence du Seigneur qu'il y a ici. Hein? Oui. C'est difficile. C'est difficile d'approcher la personne, justement. Ok. Donc, moi, j'ai dit non. Mais pourquoi tu as décidé aujourd'hui de confesser tout ça publiquement? Parce que je vais être sauvée par le Seigneur. Parce que je veux vraiment réellement donner ma vie au Seigneur. Et puis, tu veux quitter le diable? Je veux quitter le diable, je ne veux plus. Parce que là, c'est dans la souffrance. Quand tu es dans le monde des ténèbres, la sorcellerie, c'est la souffrance. Il n'y a pas de paix là-bas, il n'y a pas de joie. Et dans le monde, je me disais, comment ça se fait que ma vie tourne en rond chaque fois et que je n'avance pas du tout. D'accord. Ouais. Tu as vu le diable? Oui, je l'ai vu en personne. Ouais. Tu l'as vu? Avec les cornes sur la tête. Ah? Les cornes sur la tête. Des cornes sur la tête? Oui. D'accord. D'accord. Donc là, qu'est-ce que tu peux dire à d'autres sorciers qui t'entendent, qui te suivent là? Bah, je peux le dire que je sais que ce n'est pas facile de confesser publiquement devant tout le monde, mais il a fallu que je confesse parce que j'ai besoin du Seigneur dans ma vie. Et j'ai besoin d'avancer, justement. D'accord. Et j'aimerais qu'il se répande avant qu'il ne soit frappé, justement, parce que je sais que j'ai joué à l'hypocrisie devant le Seigneur. D'accord. L'orgueil aussi, je l'ai fait. Mais sachant que j'étais sorcière, je me disais que Dieu ne peut pas me démasquer, mais... D'accord. Malheureusement, j'ai été démasqué. Quel est le message que je prêche, que nous prêchons, qui dérange les sorciers, là, au point où Satan, les sorciers, les sorcières te mandatent pour me faire tomber, de me faire tomber? En fait, c'est quand, le micro. En fait, c'est quand Jésus dénonce les œuvres des ténèbres. D'accord. Bah, ça dérange. Ça dérange? Oui. Wow. Quoi comme œuvre, par exemple? Par exemple, c'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. Quelles œuvres, par exemple, des ténèbres que nous dénonçons, par exemple? Le péché? Il y a le péché, tout ce qui n'est pas bon devant Dieu. D'accord. Le péché, il y a la sorcellerie, il y a... Donc, quand on prêche sur la sanctification, sur la sainteté, tout ça? La sainteté, c'est vrai que chez les sorciers, évidemment, comme moi, ça dérange. D'accord. Et moi, je veux l'abandonner véritablement. Je ne veux plus suivre le diable. Waouh. Eh ben, vous pensez que Dieu peut la délivrer, là, mes frères et sœurs? Waouh. Donc, mon nom et ma tête est recherchée là-bas, quoi. Oui. Ouais. Heureusement que Dieu nous protège. Hein. Tu as vu comment Dieu me protège, hein? Oui, je vois. Comment il protège ses enfants? Oui, je vois. Donc, tu as pu constater toi-même que Satan est petit par rapport à Jésus. Oui. Donc, c'est bien. Ouais, vous entendez, frères et sœurs? Voilà une femme sorcière. Elle a 26 ans, initiée à la sorcellerie par ses parents à l'âge de 3 ans. Et elle a commencé à sortir de son corps astralement, mystiquement, pour aller tuer les gens à l'âge de 13 ans. Elle a participé à la, n'est-ce pas, à la mort mystique, hein, par la sorcellerie de beaucoup de personnes. Et, j'ai tué le père de ma sœur. Donc tu as tué le père de ta sœur qui est là? Nous étions ensemble avec ma mère, tous les autres sorciers de ma famille, en fait, on était concentrés. Parce qu'en fait, ils voulaient se répandre. Ils voulaient confesser, en fait. Tu peux venir? Donc son père, vous l'avez tué. Mais comment vous avez fait pour vous l'avez tapé avec quoi vous? En fait, on a compressé son cœur pour qu'il. Vous avez compressé son cœur. Par crise cardiaque. Par crise cardiaque. Pas qu'il confesse en fait. Waouh. Nos œuvres. Waouh, waouh, waouh. Donc tu confirmes que ton père est décédé par une crise cardiaque. Tu peux prendre le micro. Effectivement, mon père est décédé en 2009 par crise cardiaque. D'accord. Et vu que ma belle-mère était dans la Rose-Croix. Donc ta belle-mère, sa mère. Non pas elle, c'est ma cousine en fait. D'accord. Sa maman est la sœur à ma mère. D'accord. Donc, ma belle-mère, donc, l'autre femme à mon père, était dans la Rose-Croix, donc elle était avec mon père. Et moi, quand je suis allée au Cameroun en 2009, mon père m'a dit
qui cherchait en fait un serviteur de Dieu pour le rencontrer. Mais moi, je ne comprenais pas, puisque j'étais païenne, je ne comprenais pas pourquoi il me disait, bon, il y a un serviteur de Dieu au Nigeria qu'on appelle Tibi Joshua, qui veut à tout prix le rencontrer. Mais qui vend de l'eau d'ailleurs, hein, voilà. Faut pas aller le voir, hein, aller voir Jésus. Pour le rencontrer, en fait, il fallait 3 mois. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi il était tellement pressé de le rencontrer. Donc, je suis rentrée en août, et en septembre, mon père est décédé. Et ce n'est pas la suite que ma tante m'a expliqué que mon père était dans la Rose-Croix. Mais il s'était rendu compte, en fait, que sa femme, que c'était pas bien, mais il voulait abandonner. Et ma belle-mère et mes sœurs, mes demi-sœurs, en fait, l'ont tué. Et elle a tout fait pour récupérer le corps à la morgue parce qu'elle avait des pratiques occultes à faire sur le corps, mais elle n'avait pas pu prendre le corps. Voilà. D'accord. Donc, et Cynthia m'a confessé hier, en fait, que c'est elle qui a tué mon père. Ils ont tué ma grand-mère, la mère à ma mère. Et... Tu as réussi à lui pardonner ? Ah oui, je pardonne. Je pardonne parce que... Comment je vais expliquer ça ? Moi, je crains Dieu. Je suis là, je dis toujours, Seigneur, je ne te vois pas. Mais je ne pouvais pas imaginer que Cynthia pourrait venir chez moi avec tout l'amour que j'ai donné à Cynthia. Je prenais mes vêtements, je donnais à Cynthia. Pourtant, je ne suis pas une personne qui ait vêtements. Le peu que j'avais, je donnais à Cynthia. Mais le Seigneur a gardé mes 3 enfants parce que je suis tout seul avec tes enfants. Il a protégé les enfants, il m'a protégé. Mais Cynthia a réussi à me pénétrer. Le Seigneur a permis parce que pour faire comprendre que la colère n'est pas bien. Donc, par la colère, Cynthia est venue me déposer un serpent dans le ventre pour me créer un cancer du col de l'utérus. Waouh! Donc, tu as confessé ça? Oui, elle m'a confessé ça et que le serpent, il est en moi, mais il est épuisé. Donc, il n'arrive pas. Il n'arrive pas parce que le Seigneur en moi ne permet pas qu'il puisse réussir les œuvres. Et j'ai compris que malgré que je ne vois pas le Seigneur et tout physiquement, mais je vois qu'il est là. Il est là. Et chaque fois dans la maison, j'étais là, je sentais une présence, je me retournais. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? En fait, Cynthia, quand elle est venue, qu'elle a fait semblant d'être délivrée ici, elle n'a pas tout dit, en fait. Elle était venue dans le but de me faire tomber. Elle avait pour mission de me faire tomber, donc elle est venue avec tous ses esprits à la maison et le Seigneur a permis qu'elle vienne et tout pour la dévoiler, en fait. Pour la dévoiler. Mais mes enfants étaient toujours un peu en retrait parce que j'ai mon fils aîné qui me dit tout, maman, moi, je suis toujours prudent. Donc, il était un peu en retrait. Et Cynthia voulait sortir de son corps, mais elle n'arrivait pas. Et à chaque fois, elle se tordait comme un serpent. Et moi, je prenais tout mon temps. Allez, sors. Et elle m'épuisait. C'est au bout de la 14e délivrance. 14 fois, je pense. Mon fils m'a dit, maman, elle a battu le record de la délivrance parce que tous les jours... Tu es là, tu es toujours en train de chasser les démons. Et je demandais au Seigneur, je veux travailler. Le Seigneur m'a fait asseoir à la maison parce qu'il savait déjà que Cynthia devait arriver et ce que je devais vivre, en fait. Voilà. Wow. Et ma sœur, tu t'es avancée. Tu es de la famille? Oui, c'est ma tante. C'est ta grande sœur? La grande sœur, la petite sœur, ma mère. OK, donc, bonsoir. Bonsoir. Le micro, s'il te plaît. Bonsoir, frère. Tu es choqué par ce témoignage? Je suis victime, frère. Je suis là, je ne marche même pas. C'est elle, ma sœur. J'ai aimé ma sœur, ma famille, d'un amour inconditionnel, comme Jésus m'a prouvé. D'accord. Ma sœur, ma mère meurt en 2013. Ma sœur vient au deuil, elle me voit malade. J'étais malade, j'étais chétive au point que si je mourais, parce que chez nous au Cameroun, quand tu maigris, avant de mourir, on dit sida. Ma sœur monte, elle fait les papiers, elle me dit que tu viens. Moi, je suis une femme mariée. J'ai 4 enfants avec mon mari, légitimement. Ma sœur me dit que comme ton mari bavarde beaucoup, il ne faudra pas que tu le fasses savoir. Oui, j'ai accepté parce que j'étais malade, je suis venue. Ce qui est inquiétant, j'ai fait l'AVC le 14 octobre 2014. Je mourrais. Et puis, si je mourrais, je reconnais que je suis pécheresse. Pendant tout le temps difficile, il y avait le voisinage qui n'était pas bien. Chaque fois, mon seul recours, c'était chez les marabouts. J'ai fouillé les marabouts. Et j'ai demandé pardon à Dieu parce que je n'avais pas connu cette voie de la vérité qui est de suivre le Seigneur, de le prendre lui seul comme l'ayant droit de mon corps, comme mon seul possesseur. Mmh. Je partais chez les marabouts, je ne savais pas. Arrivant même ici, comme j'ai fait l'AVC, chaque fois j'ai médité. Mais bizarre, ma soeur me dit que tu parles. Un jour, j'ai fait un rêve. En dormant, j'ai fermé les stores de ma chambre chez ma petite soeur, sa mère. Donc, elle, c'est ta nièce? Oui, c'est ma nièce. OK. Pour faire bref, donc là, tu as fait un AVC.
Tu as subi une attaque nocturne, certainement. Oui. Et j'ai fait un AVC où elle, je suis diabétique, je suis hypertendue. De suite de ça, le médecin me demande à l'hôpital de Sainte que est-ce qu'il y a de. Parce que parfois, j'ai présenté 5 grammes. OK. J'étais toujours comme s'il n'y avait rien. Le médecin me dit, mais madame, vous avez cette maladie héréditaire. Votre grand-père, votre grand-mère, ou bien vos parents étaient diabétiques. J'ai dit non. Il me dit, là où vous êtes, vous allez rentrer encore à l'hôpital parce que 5, c'est pas... J'ai dit non, je ne ressens rien. Le docteur était choqué. Mm-hmm. Et après, il m'a prescrit les médicaments. Je suis rentrée. Mais le jour-là, j'ai dit à ma soeur que moi, je ne prends plus les insulines. J'étais toujours dit que cette maladie sur moi est mystique. C'est mes voisines au pays. Elle me dit, non, ne prononce plus. Quelle voisine? Tu as le diabète, tu as la tension. J'ai dit que je ne prends plus les insulines. Je ne prends plus les insulines à partir d'aujourd'hui. Elle m'a dit que si tu ne dois plus prendre les insulines, tu pars de chez moi. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. J'irai tomber même en route. Moi, je ne prends plus les insulines. Et j'ai dit aux infirmières qui venaient à la maison me faire prendre le destro et les insulines. Je les ai dit que ne venez plus, moi-même, je vais prendre. Bon, bref, pour ne pas perdre vraiment le temps, le 13 novembre 2014, je m'en vais au programme de TV de vie à Bordeaux. Le frère a dit, le Jésus-Christ a parlé par le biais du frère Chora que c'est la sorcellerie familiale. Moi, j'ai dit dans mon cœur, ah, quelle sorcellerie familiale, c'est mes voisines qui me nuisent. Moi, j'ai dit ça. Même comme j'étais tombée là. Je ne croyais pas. Je pensais que je ne croyais pas. Après, j'ai senti, parce qu'avant que je ne vienne au programme, je ne pouvais pas me tenir debout. Après le programme, j'ai senti que la boule que vous avez parlé est quittée. Je reste en salle. Je vois ma nièce. J'écris parce qu'elle m'avait tapé. Mm-hmm. Au point que je mourais. Physiquement? Oui, elle m'avait tapé. Si bien que. Si je suis allée à l'hôpital, on m'a dit de venir amener qui m'a tapé parce que j'avais menti. Ma bouche, mes lèvres étaient écrasées. Wow. J'ai dit que je suis tombée sur les escaliers. Le médecin m'a dit que, madame, allez m'amener qui vous a tapé. Je ne peux pas vous consulter. Ça, nous ne sommes pas des enfants. Je suis rentrée maintenant, dit à ma petite sœur. Ma petite sœur m'amène dans un hôpital à Cognac. Elle me dit que tu es été à Angoulême avec ta sœur et à ton retour, ta tension est montée. À ça, moi, je mourrais si l'Éternel n'avait pas eu compassion de moi. Maintenant, le 13 novembre 2016 que je vous parle, elle est partie fréquenter à La Rochelle. Elle restait chez une femme, Marie-Paul. Cette femme n'était pas connue de ses parents. Elle a eu une fille de sa camarade de classe. C'est pour cela que cette fille l'a traînée, habitée chez eux. Et ma petite sœur a accepté. Moi-même, j'ai dit à ma petite sœur que comment tu peux accepter que l'enfant est parti pour rester interne et non externe. Elle m'a dit non, laisse. J'ai laissé. Je n'avais même pas parole chez elle. Après le 13 novembre, le 26 mai dernier, c'est moi qui ramène ma nièce. Parce que ma sœur m'a fui depuis. Que je suis entrée dans la secte. Elle a publié dans la famille au pays. Mes soeurs du pays m'appellent, ils m'insultent. Le 26 mai dernier, celle-ci a fait semblant maintenant de fuir pour venir rester avec moi. Sinon, elle m'avait sorti une prophétie quand elle est rentrée de La Rochelle que, maman, mon père est dans tes pieds là. Mon père est dans tes pieds. J'ai dit que non, c'est mes voisines. Je lui ai dit non, c'est mes voisines au pays. Parce qu'elle m'avait dit de leur bouche. Maintenant, comme elle m'a dit cela, elle a fui sa mère. Je l'ai envoyée chez ma fille. Non, je voulais partir chez ma fille en décembre. Elle a dit qu'elle vient avec moi. Ma fille a dit que non, j'ai appris que ma mère a trouvé les préservatifs dans ton sac. Tu ne viens plus. Après, elle est partie chez une fille à Caen, même pas chez sa grande cousine. Après, maintenant, elle a toujours demandé de venir en Allemagne. Ma fille a dit que si j'ai pris le Seigneur et qu'il accepte, tu viendras en Allemagne. Elle est partie en Allemagne le 8 février. Elle est retournée le 29 avril.
Alors, au lieu d'aller rester avec sa maman, elle venait toujours avec moi. Parce qu'on m'a donné le logement. Elle venait toujours avec moi. Et voilà, j'ai dit que j'ai parté, on va aller moi. J'avais vraiment pitié de ma nièce, sans savoir que c'est elle et sa mère qui sont assises sur moi. Je l'amène au programme de TV de vie le 26 mai dernier. J'arrive ici. Quoi qu'on avait fini ici en salle, il n'y avait rien. Après, le frère Laurent nous a appelé. On est parti dans l'autre salle. Quand elle a commencé à confesser, il y a le frère Eric qui m'a dit, je voulais entrer. Il a dit, non, madame, vous restez dehors. J'ai dit, non, c'est ma nièce. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Restez dehors. Bon, je lui ai donné le téléphone pour... Après, je comprends. Je suis sortie jusqu'à ce que nous sommes partis. Marthe, elle est partie nous regarder où on devait dormir. Parce qu'on est partis d'ici à 22h depuis qu'elle ne voulait pas se libérer. Mais aujourd'hui, elle a confessé. C'est le plus important. Est-ce que tu lui as pardonné? Est-ce que tu lui pardonnes? Oui, mon frère, je l'ai pardonné. J'ai pardonné même à ma petite sœur. J'ai pardonné même à mes autres sœurs. Seulement, ils ont traîné mes enfants. Ils ont traîné mes enfants dans la sorcellerie. Ils ont initié mes enfants. Moi, je n'ai jamais... Jésus connaît mon cœur. Je n'ai jamais fait du mal. Ils ont traîné mes enfants. Et moi, je ne marche pas. Elle dit que c'est elle, sa mère, son père et ses cadets qui sont dans mes pieds. Je ne marche pas, je suis sur place. J'étais une femme qui me... Je me suis mariée à 3 ans. Mon mari a perdu son boulot. C'est moi qui me débattais pour que nous mangions, pour envoyer même ces enfants-là à l'école. On m'a déstabilisée comme ça. Et au final, on a amené mes enfants dans la sorcellerie. D'accord. Le Seigneur a commencé un travail. Nous croyons qu'il va l'achever. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Waouh. Vous voyez, frères et sœurs, la sorcellerie existe. Le satanisme, Satan, le diable, les démons, les sorciers, tout ça travaille. Voilà pourquoi nous vous prêchons de la part du Seigneur la sanctification, la crainte de Dieu. Et voilà. Donc, je pense que beaucoup de gens qui doutaient encore de l'enseignement sur la sanctification, la sainteté, la consécration, tout ça là, saisissent qu'il faut vraiment se sanctifier si on ne veut pas être mangé, ensorcelé par le diable. Donc, on va prier pour elle. Lève tes mains, on va prier pour toi, notre Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut prier pour elle au nom de Yeshua? Nous allons chasser la puissance de la sorcellerie là maintenant. Au nom de Yeshua, tu vas quitter ce corps, esprit de sorcellerie, esprit de Satan, le diable. Il y a un serpent là, aidez-la. Sors d'elle. Voilà. Sors, sirène, Mamiwata. Au nom de Jésus. Allez, sors d'elle, maintenant. Tu as été vaincu à la croix. Au nom de Yeshua. Allez, sors. Maintenant. Oh, sirène des eaux. Esprit de Mamiwata. Esprit de serpent. Elle te vomit maintenant. Maintenant. Ta mission est terminée ici au nom de Jésus de Nazareth. Terminée. Chassez ce démon là au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors. Elle te vomit. Maintenant. Voilà. Elle vomit sa sorcellerie. Allez, tu remontes. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Oh Seigneur de gloire. La puissance de la résurrection. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. La puissance de Dieu. Oh Seigneur, merci pour ton autorité. Merci pour ton règne, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton règne, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la puissance de la résurrection. L'autorité, Seigneur, royale. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Allez, tu sors, allez, tu sors, allez, tu sors, allez, tu sors. Regardez-moi la sirène là. Allez, tu sors au nom de Jésus. Allez, tu sors, allez, tu sors, allez, tu sors. Oh, alléluia.
pas. Allez, lâche-moi. Allez, lâche-moi. Allez, lâche-moi. Allez, sort. Allez, sort. Au nom de Yeshua, ô Seigneur de gloire, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui guérit, papa. Seigneur, merci pour ta puissance, ô mon Dieu. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ta puissance, ô Dieu d'Israël. Que les chaînes de la sorcellerie familiale soient brisées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Tout ça, là, ça sort au nom de Yeshua. Jesus Christ. Vous voyez comment Satan travaille. Waouh. Ma soeur, viens. S'il n'y a pas la protection du Seigneur, tu tombes dans le péché avec une sorcière comme ça. Les démons rentrent en toi et là, tu es fini. Voilà. Envoyé par le diable pour faire tomber les gens, pour me faire tomber. Le Seigneur est présent et Dieu ne peut pas te confier une telle mission sans te protéger. Jesus Christ, alléluia. Au nom de Yeshua, que la puissance de la sorcellerie soit brisée dans ta vie maintenant, au nom de Yeshua. Oh, alléluia, 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 alléluia. Tu vas quitter ses jambes, ses pieds maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Sortez! Sortez maintenant. Voilà, allez sortez au nom de Yeshua. Quittez-moi ce corps-là. Jesus. Oh, Jesus Christ. Oh, alléluia. Bien. Les églises sont remplies de sorciers. Hein. Il faut la puissance de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ton autorité. Lâchez. Lâchez ce corps-là. Voilà. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Sortez. Au nom de Yeshua. Quittez ce corps-là. C'est fini. Ce serpent-là qu'on a mis en toi-là, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Tu vas vomir ça aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, Seigneur, merci pour ton autorité. C'est fini. Au nom de Yeshua. Jésus. Gloire à Dieu. Ah. Amen. Tu peux aller t'asseoir. Soulève-la. Voilà. Waouh, Seigneur. Qui est choqué? Voilà, quand on vous prêche la sanctuation, les amis, c'est la vérité, hein, la parole. Ils vont dire non, ils sont durs, il est dur, il n'y a pas l'amour, il condamne, il veut contrôler. Contrôler les gens? Ah, Seigneur. Je voulais parler sur la fin de temps, mais je pense qu'on va faire, si Dieu permet, lundi prochain, une émission spéciale sur la fin de temps. Parce que là, on va continuer dans le même élan. Je vous dis, hier, je suis venu, j'étais là sur le parking, j'ai senti qu'il fallait que je rentre. Voilà. Et elle, elle est venue, elle a confessé ça hier, voilà. Missionnée par le diable, par d'autres sorciers. Vous comprenez pourquoi quand ils n'arrivent pas à t'atteindre comme ça, ils vont salir ton témoignage ici et là, sur le t'insulter. Ils ont des serviteurs comme ça partout qui vont raconter des mensonges sur les enfants de Dieu, tout ça.
C'est tout simplement pour que la vérité ne soit pas prêchée. C'est ça. Voilà. Ils ont réussi à faire tomber beaucoup, beaucoup, beaucoup de pasteurs. Ils continuent encore là. Faire tomber. Quand on dit aux frères et sœurs que, bibliquement parlant, quand on dirige une église, on implante une église, 3 mois après, il faut partir, il faut aller ailleurs. Alors, les gens disent, non, ils veulent nous... Ah bon? Eh bien, vous voulez continuer à rester à la tête de l'église pendant des années? Eh bien, il y a des réseaux. Hein. Frère, on est en guerre. On est en guerre, nous sommes en guerre.